Le flash évangélique. Yes, my beloved, this is the wonderful time we have. As you know, we are in now in fresh rosé, in a new step, the step of the word. Let us read our Bible in the book of John. John chapter 15, from verse 1 to 7. Ok? Nous sommes là maintenant au temps, à la minute de la vérité, dans Fraîche Rosée. Lisons dans Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 7. Jean 15, 1 à 7. Nous lisons et nous prions tous ensemble. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les mord afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Bien-aimés, cette semaine, tu te souviens que nous sommes en train de prier pour que notre prière augmente, pour qu'on progresse dans la prière. On progresse dans la prière pour quel élément ? Qu'on progresse dans la prière pour la croissance de l'Église. Et comme la croissance de l'Église est multiforme, nous avons commencé à prier pour la croissance spirituelle. Hier, nous avons prié ici pour la croissance sacerdotale, où je vous ai appris, à la lumière de ce que Jésus a dit qu'on prie, il nous a donné ce sujet, pour que Dieu envoie les ouvriers. J'étais appris ici comment prier pour qu'il y ait des ouvriers dans la maison, dans la maison de Dieu. Et je t'ai fait comprendre, il est évident que tu ne peux pas passer toute ta vie à dire « Seigneur, envoie des ouvriers seulement ». Non. Il y a des éléments qui accompagnent cela. Et je t'ai fait comprendre qu'on prie sur trois choses pour que les ouvriers soient. On prie pour que les gens soient qualifiés conformément à tout ce que nous lisons sur les éléments de qualification, que ce soit dans Actes 6, que ce soit dans 1 Timothée chapitre 3. Voilà. Vous priez pour les détails que Dieu suscite de telles personnes. Je vous ai dit aussi que vous priez pour que de telles personnes portent des fruits visibles, parce qu'on reconnaît l'arbre par les fruits. Mais aussi, vous priez aussi pour que Dieu ouvre les yeux des dirigeants pour qu'ils voient cela, afin qu'ils sachent mieux les utiliser et leur apporter les conseils. Voilà comment on prie concrètement pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Ce matin, nous voulons donc continuer. Et cette fois-ci, nous voulons prier pour la croissance numérique. Nous voulons progresser dans la prière pour la croissance numérique. Souvent, nous voyons l'Église croître. Mais aujourd'hui, j'espère que tu comprends certains éléments. Rien ne se fait par hasard. Rien ne se fait au hasard. La croissance numérique, c'est la croissance en nombre. En nombre. Bien sûr que là, c'est l'un des éléments de croissance que tout le monde regarde.
quand bien même dans l'église, c'est la qualité d'abord, avant la quantité. Nous voulons la qualité en quantité. Voilà, c'est ce que nous voulons. Et bien sûr, dans ce cadre-là, il y a nécessité de prier. Il y a nécessité de prier. Lorsque la Bible nous dit ici dans Jean, comment on peut faire pour croître, pour porter beaucoup de fruits? Il dit, si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Il est question de comprendre ici le secret de la croissance qu'il nous donne déjà au niveau des fruits numériques, le nombre. Nous comprenons ici que le nombre est tributaire de la qualité de la relation que nous avons avec Christ. C'est-à-dire, naturellement, la croissance numérique, la vraie croissance numérique, est tributaire de la croissance spirituelle et la croissance sacerdotale. C'est pour cela que nous avons regardé les deux premiers aspects. Demeurer en Christ, ça demande la prière. C'est-à-dire qu'améliorer la qualité, perfectionner la qualité de notre relation avec Christ. Plus nous ressemblons à son image, plus nous portons donc des fruits. Mais maintenant, lorsque nous sommes à l'image de Christ, lorsque nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, est-ce que la croissance numérique va se faire automatiquement? Voilà pourquoi en demeurant en lui, celui qui demeure en lui fait quoi? Il prie. Et tu vas donc prier comment? Voilà, c'est là le problème. Il faut prier. Tu veux que ton assemblée puisse grandir. Alors, la réalité, c'est qu'il faut prier. Et l'un des versets que j'aime beaucoup citer dans le cadre de la croissance numérique, c'est Romains chapitre 10, le verset 1. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 1, par le Saint-Esprit, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Tu as compris? Le vœu de mon cœur. Ici, l'apôtre Paul nous dit, nous ne pouvons pas nous arrêter seulement à vouloir que les gens soient sauvés. Comme en début d'année, on a envoyé les vœux, non? Mes meilleurs vœux, bonne année. Tu as fait quoi pour que l'année soit bonne pour quelqu'un? Voilà ce qu'on appelle les vœux pieux. Et ils sont nombreux donc qui ont des vœux pieux en matière de croissance numérique, le nombre. Que ce soit dans une cellule de prière, que ce soit dans une assemblée, dans un secteur ecclésiastique, la croissance, quand nous demeurons dans la foi, n'est pas simplement une question du vouloir. Mais il y a des actes que nous devons poser qui traduisent ce que nous voulons. Nous voulons effectivement qu'il y ait croissance. Et cet acte premier, c'est la prière. C'est pourquoi il dit, le vœu de mon cœur est ma prière. Il veut. Il faut d'abord vouloir. Mais je sais que plusieurs veulent que leur assemblée grandisse, comme ils disent. Parce que eux, quand les gens voient le nombre, ils concluent que l'assemblée grandit. Mais j'espère que maintenant tu as compris que si tu vois le nombre augmenter, tu vas dire que l'assemblée grandit en nombre, numériquement. Et nous voyons dans les actes d'apôtres le nombre augmenté, ainsi de suite. Donc, la Bible spécifie bien les types de croissance. Alors, le vœu de mon cœur, et ma prière à Dieu. Il prie pour ses frères. Ma prière à Dieu pour ses frères juifs qui étaient répandus dans le monde. Et ceux-là même, ceux des juifs qui étaient à Rome. Il dit, je prie pour eux. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils soient sauvés. Bien-aimés, plusieurs parmi nous voulons que nos membres de famille soient sauvés. Mais est-ce que combien de temps prends-tu pour prier pour qu'il soit sauvé? Ok, tu as déjà prié une fois, deux fois. Aujourd'hui, je veux que tu progresses dans la prière
pour le salut des membres de ta famille. Je veux que tu progresses dans la prière pour le salut de tes collègues au professionnel. Je veux que tu progresses pour le salut de tes voisins, dans la prière pour le salut des hommes qui sont autour de toi. Tu ne dois pas seulement vouloir, tu dois prier. Et nous savons que après la prière, donc maintenant, il y a l'autre chose qui doit se faire. Parce que pour que les âmes soient sauvées, il faut faire quoi? Il faut, après la prière, il faut faire quoi? On dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Quand tu pries pour qu'ils croient, pour qu'ils soient sauvés, ils doivent entendre parler. Ça, c'est une autre étape. Ça veut dire qu'on prie d'abord et ensuite on part évangéliser, on part rendre témoignage avant que les gens ne soient sauvés. Donc, bien aimé, le sujet de prière pour le salut des âmes est un sujet de prière digne d'intérêt pour l'Église. Et chacun de nous, donc, ne doit pas mépriser ce sujet de prière. Non, nous devons prier. Et quand tu pries donc pour les membres de ta famille, pour qu'ils soient sauvés, comme il dit, ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Voici les éléments que tu dois aborder dans la prière. C'est l'apôtre Paul, encore par le Saint-Esprit, qui nous parle. Dans Colossiens chapitre 1, il nous en donne quelques-uns de ces éléments. Oui, à partir du verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier. Ne pas cesser de prier. Il ne cesse point de prier. Et il ne cesse de prier pourquoi? Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Alors, il priait pour Dieu pourquoi? Il prie pour demander que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. 1. Quand tu veux que les gens soient sauvés, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas sauvés sont livrés à eux-mêmes. C'est leur propre volonté qui est en eux. Quelqu'un qui n'est pas sauvé se lève le matin, il fait son programme, il ne tient même pas compte de quoi que ce soit. Il dit que j'irai ici, je vais faire telle, telle chose. Ça ne lui dit rien, il ne soumet rien à personne. Dieu, il est là, il fait ses programmes. S'il veut voyager, il fait seulement. Ça, c'est la caractéristique des gens qui ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés, du moins. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, lui-même se place au centre de sa personne. Ses intérêts priment. Donc, maintenant, quand tu veux que quelqu'un soit sauvé, l'un des sujets que tu dois aborder, c'est de dire, par exemple, que « Hé, Seigneur, je prie que mon grand frère soit rempli de la plénitude de la connaissance de ta volonté, de ta volonté. » C'est-à-dire qu'il commence à regarder les choix de Dieu. Ce n'est pas tout. Après avoir demandé la volonté, tu pries pour qu'il marche d'une manière digne du Seigneur, pour lui être agréable, entièrement agréable. Donc tu pries pour qu'il marche désormais, quand il connaît la volonté de Dieu, qu'il marche selon cette volonté qu'il connaît. Et quand il va marcher comme cela, qu'il soit entièrement agréable au Seigneur. Voyez-vous, ça c'est la prière que tu es en train de faire. Et dans ce cadre-là, quand tu continues, il dit, tu pries pour que effectivement cette fois-ci, pour que les âmes puissent, ceux qui sont déjà sauvés, portent beaucoup de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissent par la connaissance de Dieu. Quand on prie pour que les âmes soient sauvées, on prie pour les âmes, on prie aussi pour ceux qui rendent témoignage. C'est-à-dire que quoi? Quand tu veux la croissance numérique, tu pries pour les âmes qui ne sont pas sauvées. Mais tu pries aussi pour ceux qui sont sauvés, afin que ceux qui sont sauvés soient porteurs des fruits, comme on a lu là dans Jean. Voilà la vérité. Tu dois prier. Et pour ceux qui ne sont pas sauvés, bien sûr, tu pries. Et là, il y a plusieurs sujets. J'ai pris seulement un des sujets. Mais un des sujets qui nous préoccupe souvent,
C'est ce que la Bible dit, que si mon évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui font comment ? Pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne visent pas la splendeur de l'évangile. Tu connais ça, non ? Alors, tu comprends que quand tu veux que les âmes soient sauvées, l'un des éléments aussi que tu pries, c'est que tu déchires le voile de l'aveuglement. Car plusieurs personnes ne sont pas sauvées parce qu'elles sont voilées. L'ennemi a placé le voile. Il dit que je prie. Il fait quoi? Si mon évangile, il dit c'est parce que et le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Donc on déchire le voile de l'aveuglement. On déchire le voile de l'incrédulité dans la vie de ceux-là. Quand tu veux que les gens soient sauvés, tu pries pour renverser et pour lier les puissances de l'orgueil. Souvent, c'est l'orgueil qui fait que les gens ne soient pas sauvés. Tu pries, il dit, nous renversons les forteresses de raisonnement. Et nous faisons quoi? Nous ramenons toutes pensées captives. Voilà tant de sujets de prière, bien-aimés. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, ses pensées sont captives. Nous ramenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est le salut. Mais surtout, nous renversons quoi? Toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Christ. Ça, c'est des sujets de prière. Ça dit tout ce qui s'oppose à ce que c'est ça, les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Christ. C'est tout ce qui peut s'opposer à ce que les gens connaissent le Christ. Nous renversons, nous lions cela et les gens sont sauvés. Bien-aimés, c'est comme ça qu'on prie pour que les âmes soient sauvées. Il y a plusieurs thèmes à aborder lorsque nous voulons que les âmes soient sauvées. Nous prions, nous prions. Ça veut dire que quoi? Quand tu veux que quelqu'un soit sauvé, il faut l'aimer. Et quand tu l'aimes, tu regardes ce qu'il aime faire. Peut-être qu'il aime boire, peut-être qu'il aime tel péché. C'est ça que je suis en train de dire. Mais le fondement, c'est qu'il est aveuglé. Il est encore dans le noir, il est encore dans les ténèbres. Ce qu'il fait, il est ignorant. Tu déchires ce voile. Quand son esprit va s'ouvrir, il va comprendre que ce qu'il est en train de faire, il fait mal. Il fait mal. Quand tu as prié, tu as déchiré le voile de l'incrédulité, tu as déchiré le voile de l'aveuglement, son intelligence obscurcie est libérée. Alors, quand l'intelligence obscurcie est libérée, il comprend que, hey, ce que je fais là-dedans, ce n'est pas bon. C'est fini. Dès qu'il a déjà compris comme cela, voilà quelqu'un qui peut venir au Seigneur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il est temps, nous voyons nous-mêmes comment le monde est dans la perdition. Bien-aimé, nos genoux ne doivent plus flétrir. Oui, nous devons fléchir au lieu de flétrir les genoux. Nous devons fléchir les genoux devant le Père du salut de toutes les âmes, afin qu'il sauve encore. Et vous savez, l'une des prières à laquelle Jésus-Christ répond rapidement, c'est la prière aussi pour sauver. N'a-t-il pas sauvé Pierre en ce jour dans Matthieu chapitre 14? À la traversée, Pierre a dit qu'il marchait sur les eaux. Pierre s'enfonçait déjà dans la mer. Il a crié, Jésus, sauve-moi! Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a étendu la main et il a sauvé Pierre. Aujourd'hui, les gens s'enfoncent dans ce monde qui est comme une mer. Ils doivent seulement crier aux aussi, sauve-moi, et le Seigneur viendra à leur secours. Mais nous aussi, qui les regardons se noyer, bien-aimés, nous ne devons pas être coupables. Il est bon que tu pries pour que tes enfants soient sauvés. Il est bon que tu pries pour que tes cousins, tes frères, ne passent pas simplement à dire que celui-là fait la magie. C'est lui qui a fait la sorcellerie. Non, mon bien-aimé, nous devons combattre pour le salut. Oui, il y a des prières là-dedans. Vous faites toutes sortes de prières. Dans la prière aussi d'intercession, il y a toutes sortes de prières. L'intercession pour que les âmes soient sauvées. Il y a les requêtes que nous préfaisons, c'est-à-dire qu'en demandant à Dieu. Il y a le combat, comme je vous ai dit là tout à l'heure. On renverse les forteresses de raisonnement. Parce que quand vous voulez que quelqu'un soit sauvé, il raisonne. Mais c'est des forteresses. Tu renverses toutes ces pensées captives, tu libères toutes ces pensées captives
et tu ramènes ça à l'obéissance de Christ, tu renverses toute hauteur qui s'élève contre la... Ça, c'est le combat spirituel que tu mènes. Tout ce qui veut s'opposer, peut-être c'est son titre, peut-être c'est l'argent, c'est ça les hauteurs. Quand on te dit les hauteurs là, ce n'est pas, c'est-à-dire que c'est tout ce qui s'oppose à ce qu'il accorde à Christ de l'importance. Ça peut être qu'il a de l'argent, et l'argent là l'obnubile, le fascine, le dénature. Tu vas prier pour que véritablement cette hauteur financière soit renversée. C'est ça que je suis en train de dire. C'est le combat spirituel. Et ça, c'est des prières combatives pour que les gens soient sauvés. Tu peux prier aussi pour des prières pour proclamer, hein, pour prophétiser, pour faire des prières prophétiques. Et il a dit, il demande au septentrion dans Ésaïe 43. Oui, je dirais au septentrion, donne, et au midi ne retiens pas. Tu proclames. Il te dit dans Ésaïe 55 que tu appelleras une nation qui ne te connaît pas et des peuples qui ne te connaissent pas, accourront vers toi à cause de mon nom. Tu appelleras, voilà, dans la prière prophétique, j'appelle les gens de ceci. Tu parles comme ça. C'est comme ça qu'on prie pour que les gens soient sauvés. Tu pratiques ce que la Bible dit. C'est la Bible qui dit que tu appelleras les peuples qui ne te connaissent pas. Tu appelles. C'est ce que la Bible dit. J'appelle les gens de tel peuple. J'appelle. C'est ça que Jésus-Christ a fait, non? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais toi, quand tu pries, tu fais le venez à moi, là, dans la prière. Bien-aimé, je vous dis tout. Donc, n'attendez pas aller. C'est ça qu'on vous dit, qu'il y a des choses qu'on vous dit qu'on ne va pas vous apprendre dans des écoles, je ne sais pas quoi. C'est ça que je vous dis, là. Si vous faites ça simplement, vous allez voir vos cellules. Vous allez voir, vos assemblées vont progresser si du moins vous le faites de tout votre cœur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous avez donc tous les éléments qui vous permettent de prier. Progressez donc dès ce matin dans la prière pour que les âmes soient sauvées. Car le temps est court, mon bien-aimé. Le temps est vraiment court. Toi-même, tu regardes qu'aujourd'hui, d'ailleurs les scientifiques disent que la Terre tourne plus vite maintenant. Le temps est court. Et il est temps pour toi donc d'être totalement engagé pour le salut des âmes, en commençant par la prière et par la suite maintenant en rendant témoignage pour que effectivement les âmes soient sauvées. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah.